Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler une nouvelle fois de vidéos critiques sur une société qui a révolutionné le monde, y compris le monde des jeux vidéo, et pas n'importe laquelle, à savoir les jeux des studios Konami. Oh, wow! Alors, il faut déjà vous rappeler que Konami, c'est quand même une société de jeux vidéo qui a conçu des jeux extrêmement populaires. Enfin, les plus connus à l'époque, ça reste déjà premièrement Frogger, l'histoire d'une petite grenouille, ma foi, assez sympathique, sortie tout droit d'un cartoon, qui doit traverser pour rejoindre son étang sans se faire écrabouiller par les bagnoles et aussi par se faire bouffer par les crocodiles. Ou encore, ainsi que d'autres jeux, genre Scramble ou Super Cobra, un jeu avec mettant en scène un hélicoptère. Mais c'est surtout Frogger qui a bercé toute une génération. Mais surtout, Konami est surtout populaire pour avoir quasiment mis au monde pas mal de jeux aussi populaires les uns que les autres. Ça va à l'encontre des jeux Castlevania que j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente, des jeux Metal Gear avec son mode infiltration absolument sans filtre et badass, des jeux de shoot'em up comme Gradius, des jeux d'action plateforme qui va à l'encontre de Goemon qui est tiré d'un personnage de Goemon qui, si je me souviens bien, qui est tiré d'un personnage qui a vraiment existé, qui est une sorte de Robin des Bois en version japonaise, si je puis dire, ou encore des jeux de type beat'em up. Alors ça va à l'encontre des Tortues Ninja, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, Vendetta. Je crois que c'est oui, c'est Vendetta, il me semble. Ensuite, il y a aussi pas mal de jeux d'horreur aussi, si je peux vous compter Silent Hill, avec ses créatures, quelque peu, mais sorties tout droit du cercle de l'enfer. Dégueulasse. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo critique sur des jeux Konami, c'était les jeux de la franchise Castlevania, sans compter le meilleur jeu d'action plateforme mettant en scène quasiment Dracula de Bram Stoker. Donc voici donc le livre en question. Bon, je ne sais pas grand chose de vous montrer, mais comme je suis vraiment mais trop fier pour l'avoir, ben, je vous le montre quand même, puisque les gens des studios Konami sont inspirés du bouquin de Bram Stoker. Vraiment, mais. Une telle créativité mérite au moins le haut de gamme. Bon, sinon, comment dirais-je, le livre est vraiment bien. Et s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux vous en lire quelques extraits, pourquoi pas, et pour, dans une prochaine vidéo. Bref, on verra bien. Mais il y en a certains jeux, comment dirais-je, de la franchise Castlevania. Bon, je vais pas les citer, tous les citer parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Ça serait quasiment répéter les choses. Ils sont tous aussi bien, même s'ils sont un peu durs. Je vais quand même vous en parler un qui m'a interpellé, à savoir Haunted Castle. Autrement dit, Château Hanté. Et c'est aussi Prenons un par jeu de la exemple un franchise jeu typiquement Castlevania de Konami. Konami, sur par exemple un des tout premiers jeux de la franchise Castlevania. Alors, je sais que j'avais déjà, comment dirais-je, parlé des jeux Castlevania dans une précédente vidéo et qui plus est dans une ancienne vidéo, mais il y a un jeu, comment dirais-je, que je vais, comment dirais-je, vous en parler, c'est celui-là, à savoir Haunted Castle, sorti en 1988 sur arcade. Un jeu de la franchise Castlevania, mais pas très fameux. Franchement, c'est bon, d'accord, ça a l'air d'être bien, mais bon, c'est loin d'être le meilleur jeu de la franchise Castlevania. Je vais pas vous le cacher. Alors donc, vous contrôlez donc un chasseur de vampires. Donc je pense qu'il s'agit d'un membre de la famille Belmont. Mais par contre, j'ignore totalement qui c'est. Par contre, le jeu, franchement, il a l'air d'être bien, mais il est dur. Franchement, il est dur, il est dur, il est dur, il est dur. Et c'est sans conteste le jeu Castlevania, non seulement que j'ai pas pensé à, comment dirais-je, à citer, mais oh là, mais une chose qui est vraiment mais casse-cou dans ce jeu, c'est fou à quel point le jeu, mais oh là là, le gameplay de ce jeu est vraiment, mais il est pas bien, franchement, il est pas bien, franchement, c'est, il y a des ennemis de partout, c'est oh là, attention, attention, voilà, on se fait bolosser, c'est c'est ça ce qui est vraiment le jeu, mais pas très maniable. Ah, et merde, putain. Le jeu, franchement, je sais pas, il a l'air d'être bien, mais je sais pas,
Il n'est pas très jouable, franchement, il n'est pas très jouable, franchement, c'est... Bon, il est sorti en 1988 sur arcade. Et quand je dis arcade, uniquement sur borne d'arcade. Bon, alors, après, si je l'ai pas cité, à la limite, c'est pas grave. Oh, putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais j'aime pas me faire pourrir par ces conneries de... Attention, attention. Oui, alors le jeu va vraiment me vous emmerder parce que franchement, le 6 fois qu'il pointe, c'est. Oh, qu'est-ce que c'est? D'accord. D'accord. D'accord, il y avait, comment dirais-je, une espèce de torche qui s'est allumée. Oh, attention. Et ça, qu'est-ce que. Ah oui, d'accord. Un arbre qui a pris vie. Allez, meurs, meurs, meurs. Allez, meurs, 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 meurs. Bref, c'est un jeu Castlevania, mais vraiment, mais, enfin, qui plus est de la franchise Castlevania. Bien, mais pas très. Oula, mais vraiment pas très maniable. On n'arrête pas de se faire bolosser, on n'arrête pas de se faire. Mais limite. Bref, pour moi, je trouve pas terrible ce jeu Castlevania. D'accord. Ok. Attends, est-ce que. Non, y a... Oui, alors faites gaffe parce qu'il y a pas mal de monstres qui vont vous pourrir. Attends, est-ce que. Oui, on peut passer. 91, 12. Oula. Oula, 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 d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh putain de. Ok, là je suis en train de me faire pourrir par des chauves-souris. Qu'est-ce qu'elle me. Mais putain, mais cassez-vous Oh super! Après les chauves-souris, évidemment! Après les zombies, les squelettes, et les arbres hantés, les gorgones! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Parce que c'est pas assez pute! Mais oui! 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 Pique-moi le cul pendant que tu y es! Pas fameux du tout, hein. Mais Konami est surtout un studio de jeux vidéo qui est toujours aussi populaire. Bon, même s'ils font quasiment plus de jeux vidéo, ça les empêche pas de continuer d'être toujours en activité. Ils sont aussi connus pour avoir fait enfin, surtout des jeux mettant assez classe, assez jazzé, assez dynamique même au bout du suspense. Comme par exemple, je peux vous citer leurs jeux de leur franchise les plus populaires, genre Metal Gear. Bon, Metal Gear, ça dépend comment on l'appelle. Donc, on commence par le tout premier, comment dirais-je, ah oui, Metal Gear, à savoir Metal Gear, premier du nom, sorti en 1989, édité par Konami, et sorti sur NES, tombé sur Nintendo. Alors, ce jeu, franchement, il est très populaire, parce que non seulement c'était un des tout premiers jeux Metal Gear à être sorti sur console, si on peut aussi compter la MSX, et je crois qu'il est sorti sur un autre support de l'époque. Bon alors ce jeu franchement il est très populaire parce que déjà il a été testé par le joueur du grenier. Alors vous avez toutes sortes de types d'armes. Ah non non oui c'est vrai, non j'ai oublié à quel point il y a Snake il commence sans armes. Alors, vous avez armé d'un simple coup de poing. Voilà, très bien. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. J'ai appuyé sur pause sans faire exprès. Désolé. Bon, alors le jeu, franchement, il est vraiment assez bien. Mais oui, alors, il y a une chose qui est bien dans le jeu, parce que quand les gardes. Oui, les gardes peuvent s'endormir. Mais parfois, par moment, enfin, des fois ils s'endorment et des fois ils s'endorment pas. Est-ce que je peux le. Attention. Ah voilà, là il s'est encore endormi. Donc j'ai une chance sur une de le. Voilà, voilà parfait. Ah mince, zut. Oui, alors le jeu franchement il est très 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 très. Il est assez bien, mais bon, il faut quasiment mais pas trop faire n'importe quoi. Comme par exemple là il y a des chiens. Mais c'est un jeu vraiment très stratégique, très mais limite.
faut vraiment être hyper silencieux, ne pas faire trop n'importe quoi. Parce que. Oh, attention! Oh là 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 là! Oh là là là! Attention, attention, attention! Là, je me suis fait repérer par ces cabots de merde. D'accord. Mais le jeu, il est vraiment pas simple. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas trop faire n'importe quoi. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, il a déjà été testé par le joueur du grenier. Ah non, ils sont. Oui, une chose qui sont vraiment mais giga chiant dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on tue des ennemis, ils repopent. Et ça, c'est hyper casse-couille. Attendez. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Oh, attention! Oh non, 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 non. Couchez, 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 couchez. Allez, couchez. Voilà. Il y a encore un autre chien, mais ils sont combien en tout? Voilà, j'en ai buté un. Oh, attention. Attention, parce que là, il y a un garde. Oh, il faut vraiment bien faire gaffe pour éviter qu'il vous grille. Parce que s'il vous grille, c'est foutu. Ah, attendez. Ah, mince, attendez. Attendez, c'est vrai, c'est vrai, il s'est encore endormi. Oui, alors, attention, oh, mince, ah, zut! Ah! Ah, mais putain de sa mère, la putain! Oh là 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 là, je voulais l'attaquer par derrière, mais je sais pas ce qui s'est passé, il s'est réveillé, mais à vitesse grand V, quoi. Oui, alors comme je viens de vous le dire, encore une fois, les ennemis peuvent s'endormir. Hein. Quand ils s'endorment, il faut littéralement, mais... faut vraiment les attaquer au plus vite, quoi. Mais on voit très clairement que c'est un jeu hyper stratégique, quoi. Voilà. Je m'endors. Voilà, c'est ça, allez. Fais dodo. Allez, oh non, mais je touche. Mais comment il fait pour se réveiller au plus vite? Mais c'est pas possible. Attends, est-ce que je peux passer? Non, je peux pas. Non, non, non. Non, 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 non. Vous restez couchés, les chiens. Oh putain de. Vas-y, mais putain. Mais me cassez pas les couilles aussi. Oh. Mais putain, vas-y. Oh là là. Ouais. Bon, c'est bien, mais il faut vraiment savoir bien maîtriser le jeu. Hein. Merci, Hideo Kojima. D'autres surprises? Bon, et étant donné que visiblement on est quasiment en plein dedans, je propose qu'on passe à d'autres jeux que les studios Konami ont pondus et qu'ils ont mis à l'œuvre. Je peux vous citer le plus populaire, à savoir Contra. On va commencer par le plus populaire, à savoir Contra 3, The Alien War, sorti en 1993 sur Super Nintendo. Alors franchement, le jeu, franchement, c'est un jeu badass. Franchement, c'est un jeu absolument mais badass. Comme c'est pas permis, je vais pas vous mentir. AD 2636. Dans une ville bien futuriste, un drame va se dérouler. Cette ville va être détruite. Un rayon. Wow, comment c'est badass! Ouh, la belle tête de méchant! Mon Dieu, on n'a même pas commencé que déjà j'ai peur d'entendre la suite. Alors, il s'agit bien évidemment du jeu Contra 3 The Alien World, sorti en 1992, édité par Konami. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait un test sur ce jeu, mais j'ai pas testé d'autres levels, notamment la version hard, qui est un petit peu ce qu'on peut appeler, mais 10 fois plus difficile. Non, je vais me permettre de tester cette version-là parce que je me sens ce qu'on peut appeler d'une humeur coquine. Et vous allez voir à quel point la version, comment dirais-je, la version hard est 10 fois, oui, 10 fois, comment dirais-je, plus badass que ça. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah oui, évidemment, zut, j'ai pas pu. Pas grave. Bref, le jeu est badass, il est bourrin, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est le genre de jeu où on peut se lâcher. Mais on peut vraiment se lâcher. Hein. Et évidemment, quand c'est la version A, il faut vraiment, mais limite, bien faire gaffe à ne pas se faire littéralement, mais... Oh là 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 là. Let's go dancing, voilà. Oh mince! Ah, j'essaie de... Voilà, j'essaie de, comment dirais-je, de m'occuper de ce sniper.
Le problème, c'est que les ennemis en question, ils sont légion, quoi. Par exemple, ce chien qui est en train... Je sais pas si vous le voyez, c'est vous voyez, ce chien qui est en train de bouffer les déchets d'une poubelle. Et dans la version hard, il vous attaque. Si, bien sûr, est-ce qu'il va nous attaquer? Ouh! Et là, je suis en train de me faire pourrir! Ouh! Oh là là! Eh, mais je vous l'ai dit, le jeu, franchement, dans la version hard, il est... Mais, il est bourrin comme tout. Et il me semble que dans la version hard, le chien nous attaque. Il me semble. Mais le jeu, franchement, il est badass, il est bien, c'est... Bref, pour moi, c'est un des meilleurs jeux des studios Konami, je vais pas vous mentir. Voilà. Bon, évidemment, qui dit Contra dit aussi d'autres versions, notamment la version Arcade, la version NES. Ouh! Attends. Attends, est-ce que... Oui, ça, je le savais. Je savais qu'il allait nous attaquer, ce putain de clébard. Je le savais. Non, parce que si vous prenez la version de ce même jeu, sans la version facile ou normale, le chien nous attaque. Ah! Et oui, je vous l'avais dit, je l'avais dit, je vous l'avais dit. Mais... Alors, vous avez toutes sortes, bien évidemment, de types d'armes. Vous avez les missiles, les rayons laser, etc., etc. Alors, attendez, parce que là, évidemment, il y a un espèce de mur qu'il faut péter. Voilà. Mais le jeu est vraiment bourrin. Mais le jeu est bourrin, 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 bourrin comme tout. Voilà, c'est vraiment, mais... Ah non, mais testez-le, testez-le, testez-le. Hein. Bon, je sais que ça vaut pas mieux d'autres jeux Konami, que ce soit Metal Gear, Castlevania ou Gradius, mais ça va, enfin, franchement, on s'emmerde pas, on s'emmerde pas, on ne s'emmerde absolument pas. Alors attendez, parce que là, il y a des ennemis, il faut faire gaffe. Merde. Ah, les zut. Bon. Attendez, je vais voir si je peux faire une autre expérience, si vous voulez bien. Mais bon, après, si vous sentez vraiment pas d'aplomb, vous pouvez toujours essayer la version normale ou facile. Mais je vous conseille la version normale pour vous entraîner. Et si vous êtes bien d'aplomb, n'hésitez pas, comment dirais-je, à tester la version, enfin le mode hard, qui est la version dure, si je puis dire. C'est vraiment la version dure. Oh là là. Bon, par contre, il y a une chose qui est méga chiant dans ce jeu, c'est qu'il faut à quel point les ennemis sont omniprésents. Sinon, le chien qui vous attaque, vous pouvez l'esquiver, hein. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à... Oh, mince, oh là là. Oh! Et c'est fou à quel point on aime se faire pourrir dans ce jeu. Oh! Mais vraiment! Ouh, putain de sniper de merde! Courage! Un tank. Alors, là, il faut encore péter ce mur. Oui, alors ce genre de mur est vraiment omniprésent dans les jeux Contra. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais bon, non, c'est pas un sous-boss ou quelque chose comme ça. Oh putain. Oh là 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 là. Ce jeu, c'est le terminus avant l'enfer. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Alors, puisqu'on parle aussi des jeux des studios Konami, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi fait pas mal de jeux de sport, notamment des jeux de foot, notamment de ceux que j'avais déjà testés et que j'ai vraiment apprécié, à savoir International Superstar Soccer et aussi PES Pro Evolution Soccer, ou aussi appelé GQ Winning Eleven. Et ben, je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, alors, j'en ai déjà parlé dans diverses vidéos, mais... Ça ne me dérange pas d'en parler encore une fois. Et vous les montrer encore une fois.
Alors, on va commencer par International Superstar Soccer Pro 98, sorti justement en 1998 sur PS1 ou PlayStation 1, ça dépend comment on l'appelle. Alors, franchement, c'est pour un jeu Konami sur un jeu de sport, franchement, je le trouve absolument, mais excellent comme tout. Bon, évidemment, c'est un jeu de foot, tout ce qui est de plus meilleur. Alors, franchement, on trouve de tout ici. On a quasiment littéralement les équipes qui ont participé au Mondial 98 qui a été organisé chez nous en France, à l'exception près avec quelques équipes qui ont fait qui ont une petite invitation. Alors ça va à l'encontre de l'Irlande du Nord, là du Pays de Galles, il y a la Grèce, la Turquie et l'Australie. Voilà, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Bah, tiens, on va prendre l'Australie et comme adversaire, on va prendre bah, tiens, la Corée du Sud, pourquoi pas. Hein. Alors donc le jeu franchement il est assez bien, il est bien, il est classe, il est assez bien, voilà. Ouais, encore faut-il que... qu'il le soit vraiment, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Alors, donc, ouais, on va commencer par ça. Voilà. Allez. Oui, alors, il y a tout ici. Hein. Alors, attendez, on va prendre... Bah, tiens, on va prendre celui-là. J'aime beaucoup ce stade. Mis à part ça, mais mine de rien, le jeu est pas trop mal. Ça va, pour un jeu de foot, il est assez bien. Voilà. Oui, Stargame, merci. Donc, j'ignore exactement où nous sommes. Bon, on n'a qu'à dire que nous sommes à Séoul, en Corée du Sud. Alors, je trouve le. Alors, mis à part, comment dirais-je, les graphismes qui sont à la fois assez bien, limite assez corrects, ça va, on peut dire que franchement, le jeu a une très grande beauté. Hein. Donc, ce que vous voyez, c'est l'entrée des deux équipes. Alors, l'équipe d'Australie est de couleur jaune-noir à rayures vertes. Et aussi, au passant, lorsque l'Australie a tenté de se qualifier pour la Coupe du Monde 98 en France, le maillot national, il était comme ça. Voilà. Je trouve assez classe ce dit au passant. Et là, ce que vous voyez à votre droite, c'est les joueurs de l'équipe nationale de la Corée du Sud. D'ailleurs, ce dit au passant, la Corée du Sud, lorsqu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde 98 en France, le maillot, il était comme ça. Hein, que je trouve assez joli. Hein. C'est fou à quel point les maillots de, comment dirais-je, des équipes de foot de l'époque étaient assez bien. Franchement, c'est... Ça va, franchement, c'était fou à quel point c'était bien potable. C'était stylé, c'était jazzé, limite dynamique. Alors, les contrôles de ce jeu, bon, franchement, je les trouve assez moyens sur les bords. Parce que franchement, on a beau, comment dirais-je, essayer de shipper le ballon. Mais les contrôles de ce jeu sont pas très terribles. Je ne vais pas vous le cacher. C'est comme si on jouait, je sais pas, un jeu Mario avec des... Ouh, attention, là j'ai fait un attaque assassin un petit peu violent, mais qui n'a pas été trop signalé. Oui, les contrôles de ce jeu sont vraiment, vraiment pas terribles. C'est comme si on jouait à un jeu Mario avec des pattes de phoque. Ouais. Non mais ça va, franchement, le jeu, d'accord, il est loin d'être le meilleur, mais ça va, franchement, on l'a vraiment vu pire. On l'a vraiment vu pire. Hein. Oh là 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 là, attendez, là j'ai le ballon, là j'ai le ballon. Oui, je suis donc l'équipe nationale de l'Australie, pour ceux qui n'auraient absolument pas compris. Voilà. Là c'est Choi qui capte le ballon. Alors le jeu, franchement, il est aussi connu sous un autre titre, sous le titre original de Winning Eleven. Attends, non, je crois que c'est Winning Super Eleven, il me semble. Alors, je l'ai déjà testé une fois il n'y a pas si longtemps, la version japonaise, mais la version occidentale est assez bien. Enfin, encore faut-il qu'elle le soit vraiment. Mais bon, que vous jouez la version japonaise ou la version occidentale, ça ne changera quasiment rien. You. Li. Voilà. Récupéré par les Australiens. Reimer. Lemon qui passe à Loisy. Est-ce que... Oh ben, ah la mince. Là vous voyez, j'ai essayé d'effectuer un super tir, mais il a été dévié, ce qui est un petit peu dommage quelque part. Attendez, on va voir si on peut refaire. Oscar. Ah dommage. Attention. Est-ce que... Ah non. Ah c'est dommage. Oh c'était bien. Ah oh, c'était bien tenté. Ah c'est vrai. Ah, c'est trop dommage que j'ai... Oui, alors les occasions, franchement, c'est... Il y a pas mal d'occasions dans ce jeu. Hein. Un coup on tire pas.
Bref, c'est. Faut vraiment être patient pour pouvoir espérer marquer. Attention, là, 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 attention, oui, c'est. Attention, oui, c'est récupéré par. Attention, récupéré par les Sud-Coréens. Est-ce que. Ouh, corner. Corner pour la Corée du Sud. Les Australiens sont sous pression. Oh, attention, panneau. Ouh là, 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 ouh, sauvé de justesse. Ah, il faut vraiment faire gaffe, hein. Faut dire que les contrôles de ce jeu sont pas très fameux, hein. Un coup on arrive à bien progresser, et un coup on n'arrive pas à progresser. C'est random. Mais bon, cela prouve que visiblement le jeu est pas si mauvais que ça. Enfin, mis à part les contrôles qui sont pas très fameux, comme je viens de vous le dire, le jeu reste fameux. Et évidemment, ce jeu est dédié à tous les footeux qui aiment jouer au foot. Bon. Ok. Parce que vous voyez, c'est une touche. Des Sud-Coréens récupérés par les Australiens. Les Australiens qui jouent en jaune et noir à rayures vertes. Pour ceux qui auraient oublié. Récupération des Sud-Coréens. Oh, attention, 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 attention. Ouais, heureusement que. Oui, évitez. Bon, étant donné que c'est un jeu de foot, évitez de ne pas faire trop de fautes. Et au niveau des tacles assassins. Oh, attention. Ça va, ça va, ça va, franchement. Bon, ok, comme je viens de vous dire, les contrôles de ce jeu sont pas très manœuvrables. Mais bon, au moins il y a du challenge. Au moins il y a du challenge. Ouh là! Ah, ok, d'accord, j'admets, j'étais un petit peu fort. Premier carton jaune dans ce match. Attention, 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 attention! Est-ce que. Oui, c'est le but! Aïe, 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 aïe! Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai dit! Encore une fois, mesdames et messieurs, les contrôles de ce jeu sont vraiment, mais pas fameux du tout. Franchement, ils sont pas fameux du tout. On n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas très bien à tirer, et on n'arrive pas très bien à contrôler, ni de comprendre la manœuvre. Et ça, c'est casse-couille, mais limite. Hyper chiant. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Voilà, attendez, j'essaie de tant bien que mal de prendre de chipper le ballon, mais quand ça veut pas. Attention! Ouh là! C'est le but! Et nouveau but des Sud-Coréens! Bon, c'est pas grave. Je savais que quelque part ils allaient marquer. Et ce qui fait au total de 2-0 pour la Corée du Sud. Après un échec comme celui-là, tu ferais mieux de te faire oublier. Et c'est terminé. Et ben, victoire. Belle victoire des Sud-Coréens qui méritent vraiment la victoire. Bon, je suis désolé si j'ai vraiment que j'ai tout donné dans ce jeu. J'ai tout donné dans ce jeu, mais cela prouve que les contrôles de ce jeu sont vraiment une pourriture de l'extrême, quoi. Et tellement on a pas réussi à progresser. Tellement et qui plus est, j'ai pas réussi à progresser, donc je m'en excuse encore. Donc belle victoire de la Corée du Sud sur l'Australie 2 à 0. Mais c'est pas terminé, on compte justement tester d'autres jeux de la franchise des studios Konami, que ce soit des jeux de foot ou n'importe qui. Bref, on va y revenir tout de suite. Bref, ces jeux-là sont bien encore foutus être un véritable fan hardcore des jeux de foot et qui plus est des. Et ces jeux-là sont vraiment réservés aux fouteux. Voilà. Bref, les jeux sont bien, mais il faut vraiment savoir bien les maîtriser. Hein. Bref, bon, j'arrête pas de le dire, mais bon, je le dis quand même. Bref, ces jeux-là sont bien. Pro Evolution Soccer, c'est bien. Et ça. Mais au moins, ils ont un avantage. Ces jeux-là, ils ont beau être des jeux de foot, ils sont les seuls jeux qui arrivent à la cheville des jeux FIFA des studios eSport. Non, non, c'est pas des conneries, hein. Franchement, ils arrivent en vrai. C'est vraiment la seule franchise de foot qui arrive à la cheville des jeux FIFA. Hein. Franchement, bon, je sais que les jeux FIFA, c'est à côté de ça, c'est rien. Mais les jeux de foot de chez Konami, ça va. Ils ont du style. Ils ont vraiment un très bon style.
Alors, si je vous parle d'un autre jeu de foot de chez Konami, je peux bien sûr en parler quelques-uns, notamment le fameux Pro Evolution Soccer 2, sorti en 2002, édité par Konami. Alors franchement, le jeu, franchement, tout comme son prédécesseur, il a l'air d'être pas trop mal. Alors par contre, il y a une chose qui est vachement bien, c'est quand on va dans le menu des options pour aller choisir des équipes. Alors par exemple, là j'ai pris des clubs, et il y en a certains qui ont complètement mais changé de nom. Par exemple, Aragon, je pense c'est pas le Real, London, bon, c'est Arsenal. Oui, alors les noms ont été changés. Il y en a une qui s'appelle Eurosport. Non mais on croit rêver. Alors Yorkshire, ça se doit être Leeds, Highland, ça c'est pas Vascongardas, Catalunya, ah, ça se doit être le FC Barcelone, Navarra, je sais pas, ça doit être un club qui représente l'État de Navarre, je sais pas. Voilà, Andalousie, Cantabria, Provence, Languedoc. Ah, ça doit être Marseille, Normandie, Médoc, Rijkanal. Oh, ça, je pense que c'est pas l'Ajax Amsterdam. Enfin, je sais pas, je sais pas. Marche, Piémont. Ah, ça c'est la Juve. Oui, alors ils ont pris les noms des fameux clubs, mais ils ont changé les noms. Lombardia, c'est le Milan AC, Umbria, Emilia. Là, ça doit être le club de Parme. Toscana, Abruzzi, ah, ça ça doit être l'AS Rome, Westfalen, Meppen, Byzantine, ah ça c'est Galatasaray, Marmara, alors ça c'est, si je me souviens bien, c'est le Dynamo Kiev, et Patagonie ça doit être le Boca Junior. Voilà, était clair, ouais pourquoi pas. Voilà, et sinon, mis à part ça, bah, je trouve les graphismes de ce jeu bah, assez corrects. Pacific Plaza Stadium. Ouais, je sais pas ce que c'est que ce stade. Ça doit être probablement un stade qui est du Pacifique, qui se trouve en Australie, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Bon, alors c'est parti. Donc, bah, mis à part ça, je trouve Bah, les graphismes de ce jeu, bon, à ma foi, c'est correct, ça va, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais du graphisme stylé qui a été rajouté aux petits oignons, qui puis est assaisonné aux petits oignons. Oui, alors j'ai pris un petit match au hasard, bon, j'ai pris un match 100% Est européen entre la Roumanie et la Pologne. Les Polonais qui jouent en rouge face à eux, l'équipe. Non, c'est la Pologne qui joue en rouge et blanc face à eux, les Roumains qui jouent en jaune. Oui, j'aime beaucoup créer des petites, comment dirais-je, des petites compétitions avec des nations, parce que j'aime ça, voilà. Voilà, attention, parce qu'il y en a un qui s'approche, est-ce qu'il va tirer celui-là? Oh, est-ce que, oh oui! Alors là, je dis bravo, bravo cher monsieur, vous venez de tirer, mais je dirais même vous avez effectué un magnifique tir. Mis à part ça, je trouve le jeu assez correct, assez classe. Oh, attention, Metz! Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, il y a un joueur roumain qui a tiré un but par la tête, ce qui fait au total de 2-0 pour les tricoloris. Ça arrive à tout le monde, ok? Et on se dépêche. Bon, attendez, on va voir si on peut se faire un autre petit match amical. Donc, on va prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais. Chine, Corée du Sud. Ah tiens, on va prendre le Mexique, ouais. Et on va prendre. L'Équateur, tiens, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il était clair, voilà, on va prendre. Oui, j'aime beaucoup faire des matchs qui se déroulent pendant la nuit parce que ça donne une belle ambiance. Voilà. Allez, on va commencer la partie. Bon, ça, c'est l'affiche du match Mexique-Équateur, match 100% américain. Bon, espérons que j'aurai un petit peu plus de chance par rapport à l'autre match. Enfin, parce que j'avoue que j'ai un petit peu merdé. Mais sinon, je trouve le jeu assez bien. Enfin, encore faut-il qu'il le soit vraiment. Attention, attention! Est-ce qu'il va tirer celui-là? Est-ce qu'il va tirer?
Petite tentative pour les équatoriens de passer. Attention! Est-ce qu'il va marquer? Est-ce que... Oui, il a marqué! Et voilà! Je le savais qu'ils allaient marquer! Et je le savais! Mais oui! Mais oui! Ah là 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 là! Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce but était mérité. Et très sincèrement, je me doutais bien qu'ils allaient marquer. Et je me doutais bien que j'allais me faire baiser. Bref, 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 bref. Ces jeux-là sont bien encore foutus. Être un véritable fan hardcore des jeux de foot. Et qui plus est des... Et ces jeux-là sont vraiment réservés aux footeux. Voilà. Bref, les jeux sont bien, mais il faut vraiment savoir bien les maîtriser. Hein. Bref, bon, j'arrête pas de le dire, mais bon, je le dis quand même. Bref, ces jeux-là sont bien. Pro Evolution Soccer, c'est bien. Et ça... Mais au moins ils ont un avantage, ces jeux-là, ils ont beau être des jeux de foot, ils sont les seuls jeux qui arrivent à la cheville des jeux de FIFA des studios eSport. Non, non, c'est pas des conneries, hein. Franchement, ils arrivent en vrai, c'est vraiment la seule franchise de foot qui arrive à la cheville des jeux FIFA, hein. Franchement, bon, je sais que les jeux FIFA, c'est à côté de ça, c'est rien. Mais les jeux de foot de chez Konami, ça va, ils ont du style. Ils ont vraiment un très bon style. Eh ben, tant mieux. Et quand je dis que vraiment premier jeu des studios Konami, je peux en citer quelques-uns, notamment le fameux Yaer Kung Fu sorti en 1988 sur NES. Un jeu qui est vraiment ce qu'on peut appeler, mais... un jeu bien, assez classe, à la limite assez potable, encore faut-il franchement qu'il le soit vraiment. Mais, franchement, ce jeu, franchement, non seulement il m'a l'air d'être vachement culte, mais on dirait vraiment ce qu'on peut appeler mais une parodie des films de Kung Fu, surtout avec des films, surtout en plus le personnage se nomme Lee, et quand on entend le nom Lee, ça fait quasiment penser à Bruce Lee, quoi. Alors c'est clair! Alors, si on peut citer un jeu de combat assez populaire à la manière de Street Fighter, je peux en citer celui-là, à savoir Martial Champion, sorti en 1993. Alors, ce jeu, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une sorte de croisement entre un jeu Capcom, enfin des studios Capcom, et un jeu des studios SNK, quoi. Mais franchement, je trouve les graphismes assez bien stylés, assez bien jazzés, assez bien dynamiques. Et franchement, le personnage qui s'appelait comme un théâtre, enfin un acteur de théâtre de ce type Kabuki me rappelle trop Kiyoshiro Senryu dans Samurai Shodown. Bon, sinon, je crois que c'est la version arcade, mais je crois qu'il existe aussi une version qui est sortie sur PC Engine, me semble. Il me semble. Mais sinon, franchement, pour un jeu de combat, mais franchement, je le trouve assez stylé, assez bien fait. Ouais, graphiquement, c'est pas dégueulasse. Non, franchement, sans déconner, c'est pas dégueulasse. Franchement, les mecs de l'époque ont vraiment bien joué. Quand j'ai bien joué, ils ont bien assuré. C'est ça ce que je voulais dire. Il y a de la créativité, il y a du panache, il y a du bien. Franchement, il n'y a pas à dire, ouais. Bon boulot les mecs. Et évidemment, quand on parle de jeux Konami et qu'il puisait des jeux des studios Konami, je peux vous en citer quelques-uns, notamment les jeux de shmup ou shoot 'em up, notamment le plus populaire et le plus drôle, à savoir Parodius. Alors, si je vous parle d'autres jeux populaires de chez des studios Konami, je peux vous citer le plus populaire, à savoir Parodius, ou plutôt Sexy Parodius, sorti aux alentours de l'année 1996, d'abord sur bande d'arcade et ensuite sur PlayStation 1. Alors, je dirais que si Tex Avery était programmeur de jeux vidéo, il aurait certainement participé à la création de ce jeu, je ne vais pas vous mentir. Bon, alors c'est une version, comment dirais-je, d'une version parodie d'un autre jeu des studios Konami, à savoir Gradius. Donc vous contrôlez, comment dirais-je, un chasseur dont le but est de tirer sur tout ce qui bouge, et c'est un shoot'em up, mais avec des personnages et un univers absolument mais délirant, donc vous devez exécuter, comment dirais-je, des missions, mais assez, pas assez périlleuses, mais qui promet d'être assez chiant, mais ma foi, assez délirant.
En plus, le jeu est vraiment, est vraiment ce qu'on peut appeler mais délirant comme tout. Parce que déjà, non seulement on tire sur tout ce qui bouge, mais en plus on doit tirer je sais pas ce qu'on doit tirer. On doit tirer d'abord sur des animaux. Là, par exemple, là je suis en train de tirer sur des béliers et sur des moutons. Ah non, mais le jeu, franchement, il est assez délirant comme tout. Hein. Ah, attendez, parce que là. Oui, alors vous devez. Comment dire. Oui, alors évidemment, comme c'est un jeu de choses, mais il faut pas hésiter, comment dirais-je, à être concentré comme tout. Il hein. Faut vraiment mais pas faire n'importe quoi. Hein. Mais le jeu, franchement, est hyper délirant. Hein. Ok. Là, il fait jour. Attends, est-ce que je peux tirer sur. Oui. Oui, alors que. D'accord. Et là, il y a des épis de maïs. Ok, nanana, ouais, bah, on continue. Attends, est-ce qu'on peut tirer sur eux? Oui. Bref, le jeu, franchement, est assez délirant, quoi. C'est. Bon, j'arrête pas de le dire, mais bon. Hein. Bon, on peut voir très clairement qu'il s'agit d'une version. Pas d'une. Oui, d'une version pas parodiée du jeu Gradius. Hein. Qui coupine, ouais. Ok, allez, on continue, allez. Voilà. Sur tout ce qui on tire, d'accord. Non mais ce niveau est tellement mais what the fuck, mais j'ai l'impression mais d'être en plein milieu de la série à la petite maison dans la prairie quoi. D'accord, je suis en train de buter sur le train de canarder des chiens. D'accord. Il y a d'autres niveaux encore plus what the fuck que celui-là, mais s'il le faut, je vous en parlerai, pas de panique. Pour l'instant, je vais vous montrer ce qu'on peut appeler un léger aperçu de la galère qui nous attend. Mais quand je viens de vous le dire, le jeu, franchement, il est bien, mais est assez délirant comme tout. Parce que là, franchement, non seulement on peut tirer sur tout ce qui bouge, mais en plus, c'est un univers parodié d'un jeu. Un autre jeu, comment dirais-je, des studios Konami, à savoir Gradius. C'est un jeu de map. Voilà. Ok, là je tire sur des hautes. Bon, là pour l'instant, là je suis hyper concentré. Excusez-moi si par moment je dis rien. Qu'est-ce que. Voilà, d'accord. Ok, il y a une montagne qui s'est déplacée. D'accord, allez. Là. Attention, allez, on se concentre, voilà. Allez. Attention, oh là, il y a du monde, et même du bon monde. Si je me souviens bien, voilà le boss. Le boss qu'on doit, comment dirais-je, buter, un épi de maïs géant. Wow! Ok. D'accord. Ok. Allez, petit. En plus, les boss dans ce jeu sont d'une. Sont nuls. Mais. En plus, on affronte tout le monde. On va affronter, comment dirais-je, une sirène, une gorgone. Bref, mais je vous montrerai, pas de soucis. Où tu suis? Allez, on continue, on n'abandonne pas. Il va crever le monsieur. Oui, il va crever. Mais ça va, pour une parodie d'un jeu Konami, je le trouve, mais assez marrant. Ouais, assez marrant comme tout, ouais, franchement, c'est. Ah, oh, zut! Ah, merde! Ah, il m'a eu. Bon, c'est pas grave. Pas grave, de toute façon, il va pas tarder à crever. Voilà, et voilà, il est mort, t'es tout raide. Bravo, c'était époustouflant! Et
quand je dis que le jeu vraiment est une parodie de Gradius, il n'hésitait pas, comment dirais-je, à parodier ses propres jeux. Par exemple, ce petit personnage-là, qui s'appelle comme un expert en arts martiaux, et bien celui-ci, il vient littéralement du jeu Yair Kung Fu, sorti en 1980 et quelques sur Amstrad. D'accord. Eh, on pourra très clairement qu'ils n'hésitent pas à parodier leur propre jeu, hein, et c'est pas pour rien. Et question boss, mais vraiment, on a carrément une qualité en net coups humains. Par exemple, là, on doit quand ce boss-là, c'est littéralement un tanuki, et il faut littéralement le tuer au visage. Enfin, le tirer uniquement sur le visage, et pas sur les parties génitales. Wow. D'accord. C'est fou à quel point le jeu est délirant, mais non seulement c'est une parodie des jeux, comment dirais-je, des jeux Konami, mais en plus c'est... Hello to you! Eh ben oui, évidemment, qui dit Tanuki, qui dit métamorphose. Oui, parce que les Tanuki qui sont des esprits qui sont représentés par des ratons laveurs, ils n'hésitent pas, comment dirais-je, à se métamorphoser. Hein. C'est vachement délirant. Mais c'est vachement délirant. Bon, et maintenant on va passer aux choses sérieuses. À la fin du niveau, vous rencontrez pas mal d'autres boss. Notamment, il y a une scène que j'aime franchement qui est délirante à ce point. Je vais vous la montrer. Par exemple, là, regardez ce boss là qui est en train de se cacher là sur la couverture. Là, non, c'est pas la nana. Non. Ce n'est pas du tout cette belle blonde complètement à walpé. Non, le vrai boss, c'est celui-là. C'est ce poulpe là. Et ben, au lieu de le buter, il va se faire littéralement écrabouiller par le fessier de la blandasse. Et vous allez très vite savoir pourquoi. Non mais, je rêve. Non mais, je rêve. Putain, mais c'est vraiment un sketch, mais délirant. Mais c'est du bénil. Franchement, c'est du bénil, quoi. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment de l'humour à la japonaise, ça se voit à vue d'œil. T'as mais à côté de ça, mais et les sketchs du Kula Rocho, c'est vraiment du bénil. Bref, les jeux Konami, ils sont tous bien, franchement ils sont tous bien, que ce soit des jeux d'action, des jeux de plateforme, des jeux de shoot, them up, des beat them up, en passant par des jeux sport ou aussi... des jeux d'infiltration à la métal. Ils sont tous bien. Bon, encore faut-il être un véritable hardcore de ces jeux-là. Hein. Bon, évidemment, je peux en citer quelques-uns qui ont été testés et approuvés par une personnalité populaire, genre le jour du grenier, et qui a pas mal fait parler de lui, notamment quand il cite le jeu Suikoden. Franchement, il l'a testé et approuvé. Non, c'est pas des conneries, vous lui demanderez. Vous lui demanderez, franchement, il a souvent testé les jeux Suikoden 1 et 2 et il a gardé un très bon souvenir, franchement. Bon, alors je ne suis pas un fan des jeux RPG, mais ça va, les jeux de Suikoden, ils sont assez bien. Enfin, encore faut-il être un fan hardcore de ces jeux-là et encore des jeux de ce type-là. Hein. Mais bon. Bref, à conseiller franchement aux fans hardcore, aux fans de RPG. Hein. Et évidemment, comme je viens de vous le dire, ce jeu a été testé et approuvé par le jour du grenier. T'es sûr que t'as aucune question là ? Voilà donc les gens, c'était donc notre vidéo spéciale critique consacrée au jeu Konami. Alors très sincèrement, leur bilan de cette vidéo, bah comme je viens de vous dire, les jeux sont des studios Konami sont tous aussi bien les uns que les autres. Bref, bon, il faut vraiment bien les apprécier, bien les comprendre, et si franchement c'est... Mais il faut vraiment être ce qu'on peut appeler un véritable fan hardcore des jeux de ce studio là hein. Alors si vous êtes toujours si vous voulez que je fasse d'autres tests sur ces jeux là, bah ok, il y a pas de souci, franchement il y a pas de souci. Bref, et si vous voulez tester ce genre de, comment dirais-je, ce genre de jeu, je vous conseille Metal Gear. En plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le robot bipède Metal Gear Rex, ou Rex, ou quoi, ça dépend comment on l'appelle dans Metal Gear Solid, me fait trop penser à ED 209 dans Robocop, ce qui explique son côté robot bipède imposant et surarmé.
Non mais, et si vous vous dites, regardez bien, vous notez la ressemblance, hein? Est-ce que c'est un clin d'œil à Robocop ou c'est seulement une coïncidence?